Jusqu'à présent, pour lutter contre le sommeil, on ne disposait que de quelques produits comme les amphétamines ou la caféine. Les amphétamines sont responsables d'effets secondaires qui ne permettent pas de les utiliser longtemps, troubles visuels, palpitations, anxiété et surtout des phénomènes de dépendance. Toute complication difficilement compatible avec les activités d'un militaire pendant un conflit. Les singes ont pu être maintenus éveillés pendant 4 jours et 4 nuits. Des nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil. I have a statement by the President of the United States. Sound Market のスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。Vous ne pouvez pas imaginer, ils encerclent le Parlement et se préparent à l'attaque. Le soleil est si bon que la lueur des ombres se verra. Les secours maritimes ont retrouvé hier le chalutier. Monsieur Pretoria. Oui. Bonsoir. Vous posez votre question. Bonsoir monsieur, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, de la délivrance. Patrice Bertin, il est 3h moins 10 du matin. Oui, notamment pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. En un mot, Claude Guillaumin, c'est la guerre. La guerre du Golfe. Les troupes alliées, essentiellement des Américains et des Britanniques, sont passées à l'offensive. Pour autant qu'on le sache, les objectifs sont Bagdad, la capitale irakienne et le Koweït, puisque le but stratégique est de libérer annexé par Saddam Hussein le 2 août. À Washington, c'est la chaîne de télévision américaine CNN qui est la première à annoncer le début de la guerre. Minuit 15h de Paris, lorsque l'envoyé spécial à Bagdad de CNN a réalisé le reportage que vous allez entendre. Je mets un micro à la fenêtre, je pense que vous pouvez entendre le son.